Europe 1, il est 8h36, la revue de presse de David Abiker. Bonjour David. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Bonjour. À la une de vos journaux ce matin, la réforme du dialogue social. Et dans ce domaine, chaque titre voit la réforme à sa porte ou pas de réforme du tout. L'humanité, dialogue social, une loi contre les salariés et leurs représentants. Le Figaro, le gouvernement renonce à réformer le code du travail. Pour y voir plus clair, lire peut-être les échos, syndicats, ce qui change dans le code du travail. Le Parisien aujourd'hui en France préfère lui faire la une sur les passages à niveau, le danger toujours là, en référence à l'accident ferroviaire survenu hier en Seine-et-Marne. Enfin, Libération l'affirme, après les naufrages et les morts en Méditerranée, il faut légaliser l'immigration. On commence donc, David, avec le projet de loi sur le dialogue social. Une vraie machine à faire des aigris, cette loi portée par le ministre du Travail, François Rebsamen, censée relancer et simplifier le dialogue social dans l'entreprise. Beaucoup de bruit pour rien, estime Gaëtan de Capette dans le Figaro. Une machine à gaz qui ne règle rien, rien ne bouge, ni sur les 35 heures, ni sur les seuils sociaux, ni sur le régime des intermittents. Pour Jean-Emmanuel Ducoin de l'Humanité, la loi Rebsamen ressemble bel et bien à une arme contre les représentants du personnel, et d'ajouter que les socialistes ont abandonné l'idée de démocratie sociale. Voyez, personne n'est content. Nous sommes à la veille du sommet de Bruxelles sur les migrants. La presse évoque, David, les premières pistes de solutions. Dans un entretien à Libération, l'économiste Emmanuel Auriol plaide pour une légalisation de l'immigration économique. D'abord, elle explique que la Turquie ou la Jordanie ou encore la Tunisie font en proportion un effort bien plus important pour accueillir les migrants que ne le fait l'Europe. L'Europe qui est prise entre deux tensions contradictoires. D'un côté, les entreprises qui voudraient plus de migrants, mais de l'autre, le souhait des électeurs qui rejettent, dit-elle, les étrangers. Pourtant, l'Europe manque de main-d'œuvre dans certains secteurs. Il manquera 7 millions de salariés dans les années qui viennent, rien qu'en Allemagne. Voilà pourquoi, explique Emmanuel Auriol, il faut vendre des visas aux candidats à l'immigration, quitte à ce qu'ils soient provisoires, et s'inspirer des modèles jordaniens ou israéliens qui accordent des permis de travail temporaires. En légalisant l'immigration économique, explique l'universitaire, on affaiblit les mafias et les trafiquants qui rackettent les candidats au départ. Autre piste, investir sur le continent africain. Vous entendrez ces jours-ci les politiques vous expliquer que le co-développement du Nord et du Sud est le meilleur moyen d'endiguer les flux migratoires non contrôlés et la détresse qui va avec. Exemple qui vient du privé, dans Le Monde, daté d'aujourd'hui, qui explique que la Société Générale va allouer 4 milliards d'euros de ressources supplémentaires à ses activités africaines, où certains pays comme la Côte d'Ivoire connaissent une croissance annuelle de 9 à 10% par an. La banque a donc prévu d'ouvrir 50 à 70 agences annuellement, de créer une offre de services financiers sur mobile et d'ouvrir une salle des marchés régionale. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en Afrique, 80% de la population n'a pas de compte en banque, donc il y a du potentiel. Et puisque je vous parle de banque, vous lirez dans un tout autre genre, retour en France, le récit épique de l'Opinion, racontant comment, selon le quotidien, Jean-Pierre Jouyet, secrétaire général de l'Élysée, est à la manœuvre pour faire nommer François Ville, le roi de Galop, numéro 2 de la BNP, à la tête de la Banque de France. C'est du billard à trois banques. Et c'est de la politique, justement. Tiens, c'est le temps des grandes manœuvres dans les partis. Chassé-croisé, le Figaro et Libération. Tandis que le Figaro s'inquiète de l'avenir du Parti Socialiste, Libération s'occupe de celui de l'UMP. Le Figaro qui compte les militants socialistes en chute libre dans la perspective du congrès du PS à Poitiers début juin. 200 000, annonce le site internet, 131 000 membres actifs, précise un député, mais la moitié à jour de cotisation, ce qui fait dire à Guillaume Tabar dans son édito que le congrès sera sans doute sauvé, mais pas le parti dont la faiblesse en nombre de militants et de cotisations va devenir problématique. Mais que les socialistes se rassurent, Libération s'occupe de l'UMP, dont Nicolas Sarkozy, le président, veut changer le nom. Longue interview ce matin d'un proche, très proche d'Alain Juppé, Édouard Philippe, député maire du Havre, pas du tout sur la ligne des fameux républicains, le nom souhaité par les sarkozistes. Choisir ce nom, ce serait méconnaître la République, explique Édouard Philippe, qui rassemble des gens de conceptions différentes, ce serait vecteur de clivage. Et le maire du Havre d'ajouter malicieusement qu'il n'exclut pas que Nicolas Sarkozy s'en aperçoive. Ambiance. David, est-ce que vous aimez les chiens ? J'adore, j'ai un petit chien que je salue s'il m'écoute. Comment s'appelle-t-il ? Il s'appelle Charles. Bonjour Charles, on parle de nos amis les bêtes et vos amis les bêtes. Le Monde décortique la relation entre, je cite, le Canipus lupus familiaris et l'Homo sapiens, autrement dit le chien et l'homme, et le quotidien d'expliquer que lorsque ces deux-là se regardent, leur relation met en jeu des phénomènes hormonaux impliquant l'ocytocine, une hormone clé de l'attachement, de l'amour. On s'en est aperçu en mesurant la concentration de cette substance dans le corps
humain. Eh bien, plus votre chien vous regarde, plus vous en produisez de l'ocytocine, plus vous vous attachez et inversement. Voilà une étude qui a un lien direct avec les pages échos du Figaro du jour. Le marché de l'assurance maladie des chiens et des chats explose avec une croissance insolente de 25% par an. Ça fait les affaires d'un courtier en assurance pour animaux domestiques qui gère chaque année 100 000 contrats, le dit courtier qui a aussi géré en mars 15 000 feuilles de soins. L'attachement, c'est donc une hormone dans le monde et un marché dans les pages saumon du Figaro. On termine avec du foot et de la superstition. C'est le Progrès de Lyon qui nous apprend que les dirigeants de l'Olympique lyonnais ont décidé qu'il n'y aura ni loge, ni siège numéroté 42 dans le futur grand stade des Lumières dans la capitale des Gaules. Pourquoi bannir ce numéro qui n'est pas le numéro du diable, hein. Le numéro du diable, c'est 666. Tout simplement parce que c'est le numéro de la Loire et que la Loire, c'est le département dont Saint-Étienne est la préfecture et que Saint-Étienne, c'est aussi l'AS Saint-Étienne et l'AS Saint-Étienne, c'est le club historiquement rival de l'Olympique lyonnais. C'est de l'humour, a expliqué le DIRCOM du club. Juste de l'humour, il faut vexer personne, mais c'est fait. Il faut rappeler tout de même qu'en 1998, le club avait fait repeindre ses vestiaires parce qu'ils étaient verts et le Progrès de Lyon de conclure que si ça continue, il va falloir teindre la pelouse. Ah, belle conclusion. Sinon, ce qu'ils peuvent faire, c'est qu'ils attribuent le numéro 42 à Julie, supportrice stéphanoise. Pourquoi pas, il faut lui mettre un siège, mais à ce moment-là, on écrit Julie en lettres d'or dessus. Voilà. Y a-t-il un numéro 69 à Geoffroy Guichard? Vaste problème. On va se renseigner, on va enquêter. On met tous nos limiers sur l'affaire. C'est quelle marque, Charles? C'est un cavalier King Charles, c'est pour ça que je l'ai appelé un Charles. Cavalier King Charles. En fait, je l'ai appelé Charlie, et vous imaginez pourquoi. Absolument. Voilà. Merci beaucoup David Abiker, la revue de presse que l'on retrouve demain à 8h30 sur Europe 1.